Commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir au puncher. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. On devrait pouvoir rentrer dans le top 10 de l'étape. Mais avec ce parcours accidenté, il y a moyen de lancer des offensives de loin et de surprendre les favoris. Bonne course, les gars. Allez, allez. Hey, salut tout le monde, c'est Casus Grid. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape Carcassonne Foix. L'entrée des Pyrénées avant les deux gros... L'entrée en matière avant les deux grosses étapes où là, il y aura vraiment les trucs. Et après, on retourne sur les étapes plus sympas. Donc, c'est parti. Donc, on est sur la dernière semaine de tour. Et voilà. Donc, là, on va envoyer Tuzvel devant. Et de toute façon, on va essayer d'attaquer à partir du deuxième col. On va jouer sur ça. On va jouer une attaque sur le deuxième col. Le deuxième col, voilà. Et on va tenter la victoire avec Romain Bardet pour essayer de reprendre. Soit quelques secondes, soit reprendre le jaune à Pogacar. Avec la méforme, ça va être compliqué. Je pense qu'on a plus de chances que perdre du temps, et mais on faut tenter de toute façon. Avec le mur de Péguer. Avec ses rampes à plus de 16 et 18%. Seuls les coureurs ayant encore des réserves pourront y faire la différence. On n'a pas beaucoup de réserves, le défaut, mais. Faut tenter. De toute façon, faut qu'on. Tiens, encore là, ça va pas être attaqué. Là, ça va être tenir. Ouais, l'avantage, c'est qu'on a la descente pour essayer de rattraper un peu. Mais c'est quand même compliqué. Je vais mettre comme ça. Hop, on va le suivre. De toute façon, là, c'est faut juste tenir. Le mur, il va vraiment faire mal. Et voilà, la tête de course entame les pourcentages les plus importants de la montée. C'est bon. 4 km durant lesquels la pente ne fléchira jamais sous les 11%. Hop là, et c'est là on voit, ça fait déjà mal. Van Barle, tête, Godu, j'ai l'impression qu'il est en forme. Hein. J'ai l'impression qu'il va tenter de faire une petite attaque. Hein. Une petite attaque de Godu. Voilà, l'objectif ça va être de pas être en fringale d'ici la fin du haut. C'est pour ça que. Oh, allez, super. On est tombé sur un mec qui a fait une fringale. Faudrait aller derrière Pogacar. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Pogacar. Putting. Classement grimpeur. Tu es trop. 2 km pour l'échapper. Alors, quoi que, on peut tenir, je pense, à fond. Les deux derniers kilomètres. Oh la vache, c'est chiant les blocs comme ça. Alors, on va se mettre derrière un Roglic. Voilà, hop. Yates, c'est Thomas. Non, Martinez là-bas. Je garde le. Hop. Combien de kilomètres? 1,2. Bon, je pense de toute façon on le tient mais à fond. Allez, encore 1 km avant le sommet du mur. Ils ont beaucoup de temps d'avance là-haut. Godu 5 minutes. Donc ouais, au pire on peut on a 30-40 secondes, c'est pas trop grave si on lui laisse de l'avance. Barguil qui a lâché. Là, faut tenir. Voilà, on voit que l'énergie commence à lâcher un peu. Ça va être compliqué, mais on reprend un par un. Conrad, tous ceux qui ont tenté d'attaquer et qui n'ont pas tenu. Godu qui est le seul à tenir. Oh la vache. Voilà, on va prendre cher. Là, on va prendre vraiment cher. On est sur du 15%. Sur régime, baisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. C'est compliqué. On va être en fringale avant là. La descente, hop, voilà. Ah, bon. Les équipiers
recule pour protéger le maillot. Donc, je pédale pas trop. C'est quand la vraie descente, parce que c'est pas que c'est chiant, mais bon, à partir de la descente, ça, on va pas beaucoup récupérer. C'est de là où on a besoin le plus récupérer. Bon, on va aller la récupérer, hop, on en fait une accélération à fond. Mais derrière eux, hop. Dernier pointage avec l'échappée, ouais. Une minute. Ça devient compliqué. Au catcher. Il fait rouler ses équipiers car devant il y a un mec dangereux pour lui au général. Bah, dangereux, il est à 5 minutes, c'est pas si dangereux que ça. Moi je serais dangereux si je pars. Mais j'attends la vraie descente quand même et peut-être. Voilà, là c'est bon, on va enfin pouvoir récupérer. Oh, il ne reste plus que 20 km pour le leader de l'étape. Ils sont en train de me mettre de l'avance, hein. C'est pas assez. Voilà, oh voilà. Oh putain, j'ai un freeze juste avant la descente. Le virage, ça c'est très dangereux. Faut qu'on récupère le plus possible. De toute façon, faut qu'on récupère le plus possible. Hein. Hop. Voilà combien, 30 secondes. On arrive, on arrive. Bon, au moins, on n'aura pas tout perdu de temps et c'est le plus important. Hop, voilà. Voilà, je me suis arrêté dans le virage. Allez hop, descente vers l'arrivée. On est arrivé, il reste quand même pas mal. Ça va être. Là, faut pas. Faut, en fait, faut rester derrière. Derrière. Oh putain, le groupe qu'on a. Alors, tu vas me dire que. Avec le groupe qu'on a, il y a personne qui se dit qu'il faudrait aller chercher Godu. De l'énergie, hop, on l'a pour la finir de l'étape, c'est sûr qu'on l'a. Mais personne se dit Godu, c'est bien, on va lui laisser la victoire. Oui, bon, bah ok. Je vais accélérer quand même. Secondes d'avance pour la tête de course. Dernier kilomètre. T'es mort, hop, c'est victoire de Godu. Mais au moins, pas grave, si on peut, faut tenter le top 2 maintenant. Avec d'un espérant créer la cassure dans le virage. Et le top 2, avec en créant la petite cassure dans le virage, en le prenant bien, il y a peut-être possibilité. On ne récupérera pas le jaune. Mais 4 plus 4, on fait bien. On doit être à 5-6 secondes, je pense. Je sais plus, on était à 17, je crois, de dette. Ouais, mais on doit plus être vraiment avec une méforme comme ça. On fait top 2. Avec une bonne forme, ouais, on l'aurait gagné, je pense. On aurait pu la gagner avec une bonne forme. On aurait joué autrement. Et bah déjà, la montée, on aurait pu la faire à fond. Là. On devait faire vraiment gaffe à notre vie. Notre énergie. Hop, voilà. Nickel, nickel. Bonne étape avant les Pyrénées, quand même. Parce qu'on perd pas de temps, on en gagne. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien. On peut dire que bon, forcément, c'était sûr. Hop, mais qu'on perd toujours pas le maillot à poids. Ça c'est quand même, on est quand même égalité avec trois autres personnes, bah avec deux autres personnes, donc on le perd pas, c'est super. Voilà, bravo les gars, c'est un beau podium aujourd'hui. N'attendez pas à une telle performance sur cette étape. Encore bravo. Ouais, 5 plus 6, ouais, on est à 6 secondes, quoi. Ouais, c'est ça, 6 secondes.
6 secondes à rattraper, une victoire, et lui 3ème ou 4ème, et hop, c'est bon. Bon allez, maintenant on se retrouve demain pour une nouvelle étape. Allez, à demain.